pardon okay. Et non vite. Laissez-moi crocheter. Verrouillé de l'intérieur. Ok. Là, on est pas mal, ça. On ouvre. Voilà. C'est ouvert. Bien joué, Michel. T'as été le meilleur. Allez, régale. Oh oui, inhibiteur. Ok, un seul, comme d'hab, normalement on devrait en avoir 4. On est pas mal. On va se mettre quoi? Encore en dur, hein, parce que dans le jeu... bah on en a jamais assez. Attends, je prends un petit coup d'inhalateur, monsieur Mubri. Ouais, t'as pas tort, je vais prévoir ça au cas où... Là, t'es descendu par où? Là, faut prendre l'ascenseur, là. Voilà. Ouais, bah je suis dedans, non? Voilà. Ok, on est pas mal. Tiens, je te laisse ouvrir la porte. Je vais voir s'il y a pas de raccourci. Bah si, voilà, il y avait un raccourci à débloquer. Hop. Hop. Je vais utiliser un soin. La force de nerf de médaille est en moi. Ça, c'est l'entraînement. Non mais tu vois, il serait... Il... On peut même pas faire d'effet de surprise. Je pense qu'ils sont tous grillés. De quoi? Ouah, quoi? Il est venu me chercher, gros. Alors que c'était toi mais lui. Bon bah la hache très efficace hein. Deux coups. Fufu. Ils sont beaucoup. Fufu, putain, bordel de merde. Dégagez monsieur. J'ai plus d'endurance, la hache consomme, j'ai plus d'endurance. Oh, décollage. Décapitation. Décapitation. Ok. Oubla. Vous zombies. Par contre j'aime beaucoup les dégâts localisés et le sang qui gicle partout. Ouais, mais je trouve, parce que j'essaye depuis tout à l'heure, je trouve que c'est difficile... De décapiter direct. C'est... Oh, sortez votre molotov, monsieur B-Boy. Vraiment? Vraiment? Ils sont au moins 10. Voilà. Du feu sur du feu, rien à péter. Hein. Bah ça fait deux feux. Oh, regarde là, toute la résine. Oh, putain, j'avoue. Oh là, il voulait vraiment qu'on craft des molotov, hein. Oh. Attention. Ah mais non, c'est du C4 aussi. Oh, t'aurais fait un pont de C4 là-dedans. Ok. On les laisse brûler encore un petit peu. Oui. Inhibiteur et... Oh, ça éclaire un petit peu la pièce, Oui, bien sûr. On n'a jamais assez d'éclairage. Mais meurs, vous brûlez, là. Oh non, mais ils sont combien, frère? Oh, tu l'as jeté dans la gueule, mais j'en remets une parce que j'en ai rien à péter. Niveau 100, je commence à être en sueur là. Et tu peux rien crafter? Bah si, putain, mais mec, y'a pas de flamme, pourquoi je prends feu? Parce qu'il y a pas de fumée. Sans feu. Eh ben, hein. Je suis mort. meurs pas, t'es bien. Attends. Y en a encore 3. L'animation de merde. Ok, merci Fufu. Ouais, j'avoue que niveau soin, ça commence à être tendax. Bah, parce qu'il faut trouver de la camomille là. Attends, gère-les. Vas-y. Dès qu'il y en a un qui passe là, je le sache. Non, ça. Je peux pas me faire de soin, hein, j'ai pas de camomille. J'ai l'impression d'être Cloud dans FF7. Omnislash. J'ai pas de camomille. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'es accroché au tableau? Non, mais quoi? Non, mais j'ai rien fait. Mais quoi, tu t'es accroché? Omnislash. Tu fais d'Omnislash depuis tout à l'heure là. Tu t'es vu accroché ou pas? Bah je comprenais pas, moi je me voyais sur le zombie en train de flotter. J'étais pas accroché dans mon animation à moi. Oh wesh! Trop fort lui! Trop violent! Omnislash! Ah! Ouais, le slash! Oh oui, bien joué. Et même par terre il... Ok, j'y vais. Il est pas mort. J'y vais. Je vois une tête méditée. Allez go, ouais. C'est bon, c'est ouvert. Bon, on a fait cet étage là. Ah, l'inhibiteur est juste là. Verrouillé de l'intérieur. Ok. Attends, je vais voir par là s'il n'y a pas un petit soin qui traîne là. C'est là, bibiche. Hop, vas-y, j'ouvre. De toute façon, je suis expert crochetage. Y'a des soins ou pas? Y'a surtout des zombies. Ok. Allez. Y'a de la sporphine, mais. Voilà, je t'ai prévu le petit truc. Y'a un petit chapeau de médecin. Il reste un qui est au dernier étage. Et là, il y a du chapeau, mon ami. Allez. Soyez décapité, s'il vous plaît, direct. Le marteau, il est si bien que ça? Bah moi, j'ai la grosse hache, sa mère.
Allez, problème, c'est que j'ai 3 coups de hache, j'ai plus d'endu. Hein. Dégagé. Je vise votre tête. Voilà, quand ça décapite voilà. Direct, j'aime bien. Oh. Ok. Bah attends. Là, on ramasse. Ça, c'est quoi ça? Alors, là, il y a plein de trucs Bibi, par je regarde là. Des petits trucs à aspirer là. Ah oui, ça me remet fou là, incroyable. Il est quelle heure là? Là, il est 15h42. Et ben, vous savez quoi, les gars? Un épisode en deux. On va s'arrêter là pour cet épisode. On était à l'épisode combien? 25, mon 25. Cher général. Et ben, on se retrouve pour l'épisode 26. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Et désolé encore pour cette petite grosse parenthèse en début de vidéo. Vous inquiétez pas, dès la suite, il n'y aura plus de tout cela. Bisous tout le monde. Bye bye. À toutes. Allez, salut tout le monde, c'est Mister Bimoy 45 ans. Allez-vous les amis, moi ça va très très bien. Moi j'étais en train d'aller sortir Speak pour couper le record et tout. Ah mais non, mais non, mais non, mais non, mais attends, oh, on enchaîne là, on enchaîne. Oh, hein. c'est bon. Je suis accompagné toujours de Monsieur Funeral 97B évidemment. Comment il va celui-ci depuis... Bien, il reprend un inhalateur parce que niveau immunité c'est chaud là. Hein. Depuis 4 secondes, oui, reprend un inhalateur, tu mérites, tu sais quoi, tu mérites. Ah, attends, regarde Bichette. Hop, ça aussi, il n'y a pas de raison que ça ne s'ouvre pas. Bref. Accroupissez-vous. On va enfin pouvoir faire de l'infiltration. Oh, brisage de nuque. Hop, brisage de nuque. Bien joué ça. Oh, y a plein de trucs ici. Ok. Là, je prends. Désolé si vous entendez mon chien derrière. Il a le droit de vivre. Oui, il a le droit de s'exprimer comme tout. J'espère qu'il va bien en tout cas. Il s'exprime de plus en plus fort, donc ça a l'air d'aller, monsieur Funeral. Moi, on n'entend pas sur TeamSpeak en tout cas. Alors, hop, on va prendre, c'est sûr. Oh, god damn, à gauche. C'est quoi ça? Un sniper? Et comment on va pour le buter? C'est le... Il y a si beaucoup de zombies par terre. C'est le... Tu l'as brûlé? Non, ça l'a pas touché en haut. Il y a si beaucoup de zombies par terre. Alors lui, il peut tirer à travers et nous, on ne peut pas? Mais vous comprenez, c'est de la bile, donc la bile ça peut passer à travers les grilles. Je comprends, Fifi, alors que je les comprends. Flammes s'arrêtent. Mais lui il est chiant, En fait, je pense qu'il faut aller dessous. Ok. Là où il y a tous les zombards là. Oh, non, mais il y en a trop. Bah ouais. Attends, je vais crafter encore. je vais crafter encore un. Deux. What? Il s'est passé un truc dans mon menu là. Je vais crafter ça aussi, on sait jamais. Et un comme ça. Ok. Je peux pas vous regrouper, ce serait bien ça, non? T'as pas des pétards? Ah, j'ai pas de pétards. Par contre, j'ai un gros pétard. Oh, oh lolo, t'es la ninja. T'es la ninja de Konoha. J'avoue, je vais regarder si tu peux pas fabriquer un pétard. Oui, je peux. Attends. Attends, je vais devoir aller checker mon chien, c'est un enfer. J'arrive. Vas-y, je m'occupe. J'arrive. Oh non. Alors. Hop, alors attendez. Regardez, on va mettre un pétard ici. Voilà, regardez, ils font une communion. Désolé, Fufu. En tout cas, j'ai fait un feu de joie en attendant. Allez, on a repris. Oh, tu nous as fait un petit feu de joie là, tu nous as régalé. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Bien. C'était extra. Ah oui, c'est un bon feu de joie. Mais malheureusement. Hop, et j'en rajoute. Hein. Voilà. J'ai l'impression que le feu de joie n'a pas l'air de tuer. C'est pas l'effet estompé. Est-ce que tu peux faire du C4 comme t'avais fait la dernière fois? Non, là, I can't do anything anymore. C'est terrible. Hein. Allez, brûlez les gars. Oh. Tâche tâche difficile. Ok. Hop. Ok. Fufu, dernier feu de joie. J'ai ouvert. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais toi? Bah j'ouvre à gauche. Mais viens m'aider. Viens m'aider Konasai. Elle était bien là. Bon, on peut les achever. Recraft encore. Oh ouais, quel bordel. Ah là c'est la sortie, donc ça veut dire que le dernier est dans le coin. Bon, t'as réussi quoi toi?
Attends, parce que tu me dis pas. Là. Over here, Mr. Beaver. Oh non. Viens m'aider. Comment on quitte? Attends. Ils sont trois ici. Mon dieu, il me reste qu'un crochet. Aïe. Oh non. J'arrive. Attends. J'ai plus de... What? Yes. Ils sont morts. Ils sont morts. J'espère bien. J'ai ouvert. Ici. J'arrive, j'arrive. Puis attends, bouge pas parce que t'as fait plein de trucs. Là, il y a des bails, il y a des antibiotiques ici. Oh. Ah, il y a aussi le carré qui pue là. Eh, t'as fouillé tous les cadavres là? Non. Là, je prends les cristaux. J'entends encore là. La musique de méchant. Hein. Oui, parce qu'il y a l'autre connard qui nous tire dessus encore. Bah, il faut le tuer lui. Il est où? Pour quelque part en haut. Mais là, c'est plus important, regardez. Alors attends. Illimiter. C'est bon, t'as la fin? Ouais, Illimiter. Ah, let's go. Ouais. Eh, hey, on l'a fait assez rapidement en vrai. Ouais, ouais, ouais. Recherche expérimentale. Oh, ils en ont donné que 3 cette fois, les rats. Non. Si, si. Verrouillé de l'intérieur. Non, mais pourquoi ouvrir ici? Ça n'a pas de sens. La porte est là. Mais pour faire un U, regardez. Bah oui, mais. Attends. Ah, il est là de l'autre côté. Regardez-le. Je le vois. Oh, toi. Eh, salaud. Oh, tiens, hop, c'est mort. Ah non, ça lui a rien fait, MDR. Un pourcentage. Voilà. Hop, salut. Et en plus, combat supérieur, on va se régaler. Tu mets en quoi? En santé ou en endurance? Oh, en vrai, niveau santé, on est bien. Sentons que j'ai du mal à me soigner. Ah, bah attends. On peut en faire 2 améliorations, mec. Ah ouais. Bon, 1 santé, 1 endu. Allez, pas de jaloux. 1 santé, voilà. Et 1. Et 1 endu. Ça fait combien d'endus? Ça fait pas mal là. 9 d'endus, on est super bien, mec. Tir de parcours vous permet d'utiliser des armes à distance pendant le parcours. Déjà, ça faut trouver des armes à distance. Ajoute une perforation de dégâts bonus à tous les armes. Venez profiter des rayons UV avant de mourir. Tracas. Y'a rien qui me hype dans le combat, tu vois. Parce que tout utilise des munes ou autre. Ouais, moi je suis pas très mine déjà, quoi, j'en trouve pas assez. Hop, du tissu. Ouais, bon. Y a, alors vraiment, dans l'arbre de compétences combat, t'es où Il est où le. Ah, c'est là. Là. Ah, t'es où toi? T'es dehors? Oh, t'es beau, hein. Il est beau, hein. Il est beau! La téléportation. Je vais regarder si j'ai pas des nouveaux objets, on a looté pas mal de stuff. Allez! Boum! Est-ce que j'ai trouvé mieux? La clé du paradis. Oh oh. Mort. Oh putain, je crois que j'ai pas fouillé le zombie spécial qu'on avait. Fufu? Oui. Il faut courir. Je suis en train de regarder le stuff, quoi. Fufu? Oui. Il faut courir. Attends. Je cours, je vole, mon âme frivole. Tout va bien, tout va bien. Regarde le stuff, prends ton temps. Prends ton temps, tout va bien se passer. Ok! J'entends des bruits très bizarres. Non, c'est rien. C'est rien, ok. 200 mètres. Ah oui, il faut que je regarde le stuff aussi. Alors. Déjà en lunettes, j'ai pas un truc stylé parce que là, vraiment, je suis claqué. Ça, c'est pas mal, ça me plaît, ça. Je re-rentre. Hein. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça. Gants de médecin, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre, monsieur funéral? Je sais pas, moi je regarde un zombie en train de souffrir. Niveau stuff, c'est pareil, y'a rien d'hypant en vrai. Hein. Moi je comprends pas la différence entre un... Enfin si, c'est écrit, mais je le ressens pas. Ouais, je vois ça. Je me sens pas tanky avec mon stuff de tank. Mais attends, j'ai l'impression que les uniques sont moins bien que les rares. Bizarre. Après, ça dépend si c'est un truc de tank, de l'armure. Particulier, monsieur Funeral. Ok, bah ça a l'air pas mal. Bon. Faut faire tout ce qu'on peut pour sortir. Oh, les pièces, qu'est-ce qu'on en a à péter des pièces, bordel. C'est pour attirer. Non, je sais pas quoi ça sert. Attirer le nonchalant. On y va? Oh bah regarde, il brûle, miskin. Alors on se dirige vers le point 2, il est à 300 mètres à la gauche. Viens, regarde. Regarde ce qu'il y a. Il sort. Hop, 300 mètres sur la gauche. Voilà, allez, ça dégage. Et on va
Merde, putain. Oh, j'ai une idée. On peut aller de... Regarde. Devant, en vent. Suis-moi. Ça va être insane, hein, ce que tu vas vivre. Je dois pas où tuer. Bah, regarde, c'est écrit. Qui a lancé une poursuite? Tu fus? Oui. Pourquoi t'as lancé une poursuite? J'ai pas lancé une poursuite. Bah, pourquoi on est en poursuite? Non, moi, ah non, c'est toi qui en poursuite. Moi, je suis pas en poursuite. T'es pas en poursuite, toi? Non. Pourquoi je suis en poursuite? Parce que tu as dû attirer le mauvais zombie. Bah, je suis en l'air. Bah, ils peuvent vous voir. Bah, bien sûr, évidemment. Où avais-je la tête? Ils ont des yeux sniper qui crachent des billes à travers les grillages. Allez! Bonus de nuit! Boum! Parce que c'est la fin de la nuit là, non? Voilà, il est 8h du mat. Il est 8h! Paris! S'éveille! C'est bon, je suis là! Paris! Paris! S'éveille! Le matin! Allez, alors, qu'est-ce qu'elle peut nous ouvrir, Zelzy, améliorer? On peut améliorer la torche UV. Ah, mais non, il faut de la techno-militaire. On n'a pas de techno-militaire. On n'a pas de techno-militaire. Un D1. J'hésite à dégâts initiaux à l'explosion 20 et rayon de propagation du feu encore plus. J'hésite à améliorer la Molotov. Hein. Undercover. Moi, j'innove. Je n'aime pas aussi l'amélioration de la Molotov. Bah, c'est dans améliorer, frérot, là, à la date. Ah oui. Bon, moi, il me manque un trophée. Voilà. Bon, j'ai amélioré un petit peu. Et il me manque. Il me manque quelques trophées dynamiques. Allez, on est parti. Bah, excusez-moi, monsieur. J'avoue, il t'a mis un coup d'épaule, genre. Oui, bon, t'as vu. Il m'a tapé un fixe, il a pas décalé, hein. Il a fait Je t'avoue, il m'a fait trembler. On saute toute la ville, mais il m'a fait trembler, lui. Hein. On va voir Juan. Salut, Juan. Hola, Juan. Regarde, la petite émote de la porte. Il n'y a pas de porte. C'est lui qui est derrière le mort qui nous a pas touché. Ça nous on va voir Juan. 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 Il parle. Juan. Bon, Juan. Juan, il se déplace tout le temps, tu vois. Il est... C'est Gogeta, là. Oh mon dieu, il me suit. Par là. Oui, on ne peut pas sauter ici. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mourir dans une ville. C'est vrai. Voilà, je... Ne cherchons pas d'explications. Juan? C'est bon, qu'on se retrouve coincé à cause des infrastructures. Ah, mais c'est celui qui est dans sa chambre. Ah, ouais. Mais oui! C'est le frère. Contre les renégats. Pas rester celui qu'il faut séduire. Là! Il est alléchant, n'est-ce pas, ma chère? Tu veux te joindre à nous? Plus on est de fous, plus on rit. Non, merci. Oh non, je laisse-nous répondre. Bah oui. Je t'ai embarrassé. Laisse-nous répondre. Pourquoi là vous nous dirigez? Mais oui, pourquoi on est dirigé? Laisse-nous répondre. Je t'attendrai là-bas, mais dépêche-toi. Je dois admettre que j'admire ta persévérance. Je suis presque curieux de savoir ce que tu feras quand je t'enverrai balader encore une fois. Ce serait dommage. Single Malt des Highlands, de 16 ans d'âge. Mis en bouteille l'année précédant la pandémie. Il a 14 bouteilles identiques à droite. Oui. Mais celle-là, c'est du 16. J'ai lu qu'un baril s'est vendu aux enchères pour plus d'un demi-million de dollars. Il le dit sans vergogne. Quel cadeau sublime. Il met du poison. Alors on a le choix par contre, faut prendre. Hein. On prend? Ah oui, faut faire honneur à l'autre. Tu sais, 16 ans d'âge, on refuse à pas. Ta santé, connard ou pas connard. Poison meurt. Oh la vache! Bon, on a bien profité du 16 ans d'âge. Qu'est-ce que je peux dire? Tu as brisé mes défenses. Donc, tu veux toujours ces lampes? Matt a-t-il dit pourquoi il les voulait? Pourquoi il les voulait vraiment? Ouais, pour prendre le contrôle de la tour télé. Attends, il est sérieux? Il est fou. Personne n'a essayé depuis une dizaine d'années.
Pourquoi est-ce dangereux? Je suppose que c'est dangereux. On s'en doute un peu, monsieur Funeral, on s'en doute. Mais oui, mais écoutez, les lampes ont besoin d'électricité pour fonctionner. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas de courant là-bas. Ils sont nombreux à avoir essayé de la prendre sans électricité. Des héros et des fous. Et ils ont tous fini en casse-croûte pour rapaces. C'est le problème de Matt, ça. Pourquoi tu t'en soucies? Je m'en soucie parce que quelque chose ne va pas. Tu le sens pas, Aiden? Matt veut se préparer à défendre la ville contre l'attaque du boucher. Donc on devrait commencer à lui construire un monument, non? Un seul problème. Le boucher ne prévoit pas d'attaque. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai mes espions. Parmi les renégats aussi. Depuis la fin de la guerre, nous occupons le centre-ville. Pendant que le colonel squatte le barrage. Un simple levier à tirer, et la moitié de la ville se retrouvera sous des eaux toxiques. Le colonel n'est pas stupide. Il sait que la guerre serait la fin de tout. Alors pourquoi le boucher a attaqué la cantine? C'est au centre-ville. Bonne question. Ce n'est peut-être pas le colonel qui a donné cet ordre. Il se passe autre chose. Quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Et les lampes UV? Pourquoi il en a besoin alors? Jack cache quelque chose. Depuis un moment, il commande plus de lampes qu'il n'en a besoin. Et puis, certaines de ces lampes disparaissent toujours. Elles sont introuvables une fois qu'on les a livrées. Est-ce qu'il faut encore des expériences? Pourquoi est-ce que Jack prendrait les lampes UV? Et c'est ici, mon ami, que le mystère prend son envol. Jack ne s'est jamais remis du fait qu'il n'a pas vaincu le boucher quand il en avait l'occasion, il y a des années. Il savait que s'il attaquait le barrage, le colonel fermerait les vannes. Et la montée des eaux pousserait les produits chimiques hors du sol, brûlant tout ce qui vit dans cette ville. C'est une impasse depuis plus de 10 ans, chacun attendant que l'autre fasse un geste. Mais ensuite, quelqu'un a allumé le courant et quelque chose a changé. Et les renégats ont attaqué la cantine. Je suis pas ici par plaisir, Juan. J'ai besoin des lampes pour... Pour découvrir ce qui est arrivé à ta sœur, n'est-ce pas, Aiden? Je t'ai dit que j'avais mes espions. Je pourrais trouver quelque chose à propos de Walt et ta sœur. Plus précisément sur le scientifique du GRE que Matt et toi essayez de contacter. Je dirais même qu'avec mes ressources, je peux trouver cette personne plus vite que Matt. En fait, je doute qu'il soit capable de les trouver du tout. Ok. Ouh là 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 là. On fait quoi? Il m'a l'air de confiance, ce jeune homme. En vrai, je sais pas. Il a l'air de savoir beaucoup de choses et d'être très bien placé. Hein. Nous, on doit rester neutre dans cette histoire. Nous, l'important, c'est qu'on sache qui est ma sœur. Où est ma sœur? Bah, si lui sait... On l'aide? Ouais, vas-y. On peut s'entraîner. Moi, je suis d'avis de l'aider. T'es intelligent, Aiden. T'es en ville depuis à peine une minute et t'as déjà choisi le bon camp. Oh, concrètement, ça fait 8 épisodes. Je vais te donner les lampes. Ça empêchera Matt d'avoir des soupçons. Mais ensuite, va à la cathédrale. Y'a un type qui se cache là-bas. Un vrai cinglé, mais un génie de la technologie. Demande-lui de réparer cet ancien appareil d'espionnage. Si on arrive à le faire fonctionner, on pourra mettre sur écoute l'émetteur que Jack veut placer au sommet de la flèche du VNC. Laisse-le faire ce qu'il sait faire. En écoutant les communications de Matt, nous saurons ce qu'il fait avec les lampes supplémentaires. Qui a le savoir a le pouvoir, petit. Et il a pas tort, hein. Il est pas con, hein. C'est un giga baiser, mais il est pas con, il est pas con. C'est pour ça que c'est lui qui baise, d'ailleurs. Oui, parce qu'il est pas con, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Allez. Ah. Un glaive. Dans le pire des cas, je pense que... Si jamais on voit que ça tourne en autre boudin, on pourra peut-être avoir un choix pour le trahir. Oui, mais je pense que le jeu va nous faire croire qu'il va nous trahir, mais en fait, ça aura été un gentil C'est comme peut-être The Snake, on croyait que c'était lui et c'était pas lui. Ouais, mais dès qu'il parle, tu sais qu'il est mignon, le mec, tu vois ou pas? Oui. Hein, il y avait pas un marchand, là? Ah, je vais voir s'il a pas du nouveau stock, là. Parce que je l'avais déjà racketté, mais là, sur un malentendu... Bonjour, avez-vous reçu des nouveaux stocks? Est-ce que vous avez reçu de la... Bon, oui, qu'ils ont reçu, évidemment. Dans ces cas-là, déjà, on va vendre tous nos trucs de valeur, parce que c'est nul. Et ça, on prend... Pareil, tout stuff gris, là, ça dégage. Voilà.
Rachète toute la ferraille et tout à chaque fois. Hein. Tu vois, oui. Pour pas qu'on galère à crafter, parce que ça, c'est vraiment le plus gros des problèmes. Allez à la cathédrale de Saint-Paul. Et on aime Saint-Paul. Bonsoir. Mais ils étaient pas là, eux, avant, si? Ils ont toujours été là? Bizarre. Attends, je suis en train de... deux personnes à l'entrée. Quoi? Mec, il y a de la brume. C'est un bug? Ah non, c'est la petite brume matinale. Non, il y a de la brume, une petite brume matinale, tu vois. C'est... La brume est matinale, matinale. Oui, bien sûr. 700 mètres, monsieur Funéral, 700 mètres, je rappelle, 700 mètres. 700 mètres. Ah bah oui, mais il y a de la brume matinale, mais c'est incroyable, c'est la première fois qu'on a ça, non? Attends, putain, j'ai... Oh, c'est un brouillard, ça, à ce niveau-là. Bah oui. Ah non, on a jamais eu un brouillard aussi épais. On a jamais eu. Ça, c'est sympa, j'aime bien. Tiens, regarde, Fufu. Bah, je vois pas très bien, je vois ton point qui s'élève. Et bah voilà. Il s'élève et c'est... pas pour rien. Eh, très content de ces épisodes, on a encore upgrade le perso. Eh ben ça va devenir une machine d'escalade. C'est déjà, on est déjà des machines. Ouh. Oh non, Fufu. Quand tout se dégoupille trop bien sur les toits, c'est plutôt bon signe. Bawan, Juan m'envoie en mission à la cathédrale. Y a-t-il quoi que ce soit de spécial à savoir avant d'y aller? Pas grand-chose. Là, y a un emplacement inconnu. Attends, Fufu. Hanté? C'est bon, je commence à arriver vers vous. Ouais, enfin. La cathédrale est fermée depuis des années. Mais il y a un échafaudage que tu peux essayer d'utiliser pour atteindre une fenêtre et entrer à l'intérieur. T'as entendu, hein? Échafaudage, fenêtre intérieure. Échafaudage, fenêtre intérieure. C'est sûr de pouvoir remplir des missions pour Juan. Attends, essayez. Ah non, c'est un défi comme de parcours. Comme tu veux, mon grand. Ça, faudrait qu'on essaye un jour, hein. Deux. Les défis de parcours, là, quand on en croise un. Ouais, je pense que c'est un truc qu'il faut cavaler sur des points et tout. Ok. Monsieur. Je suis juste derrière vous. Ah, là, il y a un point d'interrogation. Là, il y a de la camomille. Pour crafter du swings. Où ça? Attends. Ah, toi, t'as l'œil, petit, hein. Je t'ai pas pris pour rien avec moi, hein. Ah, par contre, t'as des zombies aussi. Non, c'est des êtres humains. Alors? Attends, je veux faire un coup de rôle. Allez. Oh, quoi? Oh! Ah, oh, là, il est tombé. Non, mais t'as vu la puissance de mon coup de pied? T'as mis un starshoot de ouf. J'ai fait fausse roda! Ok. Oh non, c'est de la lavande! Ah bah nickel, hein. Fufu, bravo, hein. Non, mais normalement. Ah non, là, camomille! Il y en a qu'un. Quoi? Il y a qu'une camomille? Ouais. Mais non, mais. Mais si. Quel enfer, la camomille! Ah là, non, il y en a plein, là. Où ça? Devant, là. Faut. Je maintiens le. Tu sais, le. Bah, il y en a plein, il y en avait un, quoi. Il y en a deux là et un derrière. Là, il y a des. Le scanner. Cordyceps. C'est un nouveau muscle. C'est vrai. Attends, lui, je vais le fouiller. Hop, désolé, Miskin, mais t'as pris un coup de poing. Attention, mon pote. Hein. Je pense que tu t'en souviendras, même en enfer, tu rigoles. Donc, je pense qu'on peut escalader ça d'un coup maintenant. Ok, Fufu. J'ai des trucs intéressants. Attends, il y a de quoi se reposer là, je crois, non? J'ai ouï dire. Ok. Là, on a un truc, c'est quoi? Emplacement inconnu, on va check. Ah, zone sécurisée, ici. Ah, pour save? Ouais. Et il y a de la camomille. Attends, j'arrive. Moi, j'ai besoin de camomille. Nous aimons la camomille. Ah oui, j'ai la ref. Merci. Ok, et ben on va pouvoir. Après gasolina, camomille, quoi. Il faut se coucher pour save, donc si on se couche deux fois, on sera encore de nouveau au matin, on est d'accord? Yes. Et ben allez, on est parti et on va s'arrêter là, n'oubliez pas. Le j'aime. Et le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. Et ben tu sais quoi, on va se recoucher parce que t'es beau quand tu dors. Ça fait très. Très pervers, mais et voilà. Et que la rosée du matin perd le souvenir. Quand la rosée du matin caresse tes joues. Oh, c'est beau. Et que c'est tu as les yeux fermés. Je te regarde et je me masse. Pardon? Allez, bisous tout le monde, ciao! Le petit déjeuner, oui, souvent.